Face à la paupérisation, les femmes de Bouaké se mettent ensemble pour repousser les limites de la misère. Pour ce faire, elles viennent de mettre sur pied une tontine, une sorte d'épargne dont les revenus permettront de fructifier leurs activités commerciales. Ils ont une petite entreprise. Ça peut être par exemple un commerçant de tomates ou bien un vendeur de viande ou même un chauffeur de taxi, un chauffeur de moto-taxi qui, de façon journalière, reçoit déjà quelque chose, un petit bénéfice. Donc on veut l'aider à pouvoir épargner, de sorte à agrandir son affaire. Ce projet qui bénéficie du soutien de la mairie de Bouaké va, selon le maire Dibo Nicolas, dans la droite ligne de la vision de l'équipe municipale qui est de lutter efficacement contre la pauvreté. Ça fait partie de notre programme et ce sont les premières actions que nous mettons en œuvre pour apporter des financements au niveau du microcrédit à nos populations et surtout à nos femmes et à nos jeunes. La mobilisation des Bouakois à l'occasion du lancement de l'opération Tontine traduit leur adhésion et un espoir certain pour les sortir de la grande pauvreté.